Alors que le groupe musical Les Problèmes sont sur le point de devenir définitivement les Charlots, Donald Rieubon, le batteur, quitte l'ensemble. Christian Fechner, manager du groupe à cette époque, engage son frère Jean-Guy pour le remplacer. Jean-Guy participe au groupe des Charlots jusqu'au tournage du film Bon Baiser de Hong Kong. Lorsque, d'un commun accord, Christian Fechner et les Charlots décident en 1976 de mettre un terme à leur contrat. Après sa séparation du groupe, il travaille au studio Fechner auprès de son frère. Il supervise la campagne publicitaire des Bronzés 3, ainsi que le marketing d'autres productions de son frère. En 2005, il participe à La Douce Folie des Bidas, un reportage de David Décide sur les Charlots. En 2008, il est invité avec les autres Charlots à l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker. En février 2013, il participe au premier festival consacré aux Charlots, en compagnie de Jean Sarus et de Richard Bonneau. Cet événement exceptionnel s'est tenu à Trasnille en Belgique. Il participa aussi au second festival consacré aux Charlots, en avril 2014, en présence de Jean Sarus et Richard Bonneau, et a chanté une reprise de l'apérobic avec le groupe liégeois, Les Gaufs. Il est à noter que Jean-Guy est remonté sur scène pour un show unique des Charlots, avec Jean et Richard, un spectacle unique de 45 minutes. Il n'était plus remonté sur scène depuis près de 40 ans et jamais en trio.